Bonsoir à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour un petit fan game. Et oui, après des gros épisodes de Nox, je me suis dit, tiens, j'ai cherché quelques fan games qui ont l'air calmes, apaisants et qui ont du potentiel pour être découverts. Et alors là, je suis tombé sur un petit truc assez intéressant. C'est un mélange de Mega Man et de Mario 2 sur NES. C'est particulier dit comme ça, mais vous allez voir, on va lancer une game et je vais vous expliquer. Donc l'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas comprise, nous incarnons Eddie. Eddie, c'est le storage de E-Tank dans les jeux Megaman. Vous savez, à un moment, ce petit personnage arrive et il nous donne un objet au choix, que ce soit une vie, un E-Tank ou un nouveau truc, etc., etc. Et dans cette histoire, il y a un anti-Eddie, comme vous l'avez vu, qui est violet et qui a enlevé, mais je dis bien enlevé, tous les tanks d'énergie de tous les niveaux. Et le docteur Wily, ou le docteur Light, je sais plus, le docteur Light on va dire, a créé un nouvel Eddie pour qu'on se batte. Et en fait, eh bien, nous sommes largués sur l'île de Toki et je ne peux pas avancer parce que le jeu est un mélange de platformer, action, réflexion. Je vais juste vous montrer pour cette vidéo le premier niveau et un petit peu le second. Alors, comment se déroule le jeu? Nous incarnons donc Eddie, comme vous le voyez. Nous pouvons faire une attaque simple avec le bouton attaque qui est une bombe classique. Up attaque où on va lancer la bombe. Et si on fait bas attaque, on peut attraper des objets qui est très très important pour les énigmes. Nous avons une barre de vie, nous avons des tokens, nous avons des subtanks qui sont après. Nous n'avons aucun pouvoir pour le moment. Et là après c'est les options, etc., etc. Je vais voir à combien il tourne d'ailleurs le jeu. Il tourne à... Ouais. Il supporte le 60 FPS. Très bonne chose. Je peux même vous montrer le contrôleur. Alors ça c'est très cool. Et c'est vachement bien. Tiens, je vais laisser le contrôleur. On peut mettre les dommages, on peut mettre plein de choses, très 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 cool ce petit jeu. Allez, non, j'aimerais le jeu, s'il te plaît, le jeu, allez, merci. Donc nous contrôlons ce petit Eddie qui peut sauter, qui peut attaquer et qui peut faire des petits slides. Alors, petit slide très drôle. On peut attaquer, comme classiquement. On peut faire des up attaques et si on fait juste bas ça fait rien, si on fait bas saut et ben ça nous fait un petit slide, sachant que le slide est déjà sur le bouton qui est prévu à cet effet. Si je fais bas attaque, je récupère l'objet. Je peux évidemment, si je fais un mouvement, le lancer, mais je peux aussi surtout l'utiliser. Très important cette mécanique d'objet. Là pour l'instant c'est le tutoriel. Là il y a un soleil que je ne peux pas faire pas battre parce que je ne peux pas. Les crabes, les robots, plein d'ennemis connus des Megaman. Parce que quand même, si on n'est pas dans un jeu Megaman, moi je ne sais pas dans quoi on est. Aïe. Et là vous voyez, on a deux versions du jeu. On a une version où il fait jour et une version où il fait nuit. Et c'est pour ça que moi ça m'a fait penser un peu à Mario, à Super Mario 2 sur NES. Parce qu'on a ces deux trucs, ces deux versions de monde. On va appeler ça version de monde, sinon après ça va être compliqué pour moi. Où en gros va y avoir des énigmes d'objets à utiliser d'un côté qui seront débloqués dans l'autre côté, etc., etc. Oui, à la question, ça je ne peux pas je ne peux rien faire. La lune, on peut marcher dessus, comme vous le voyez, la lune est solide, c'est une case solide. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le soleil qui était là est devenu une lune, et le soleil là-bas aussi. Et la porte ici est fermée, alors que la porte là-haut qui était fermée est ouverte. Comme quoi, il y a plein de choses. Là, ça va être la première énigme qui va poser un petit peu problème. On a un ballon, on a ce qui semblerait être une plaque de pression, et on a un chemin. On peut pas aller dans le chemin, et on peut aller dans l'autre. Et en fait, il faut deviner qu'il faut sauter et attraper l'objet. Donc c'est un peu compliqué. Voilà.
C'est pas facile au départ, faut se mettre bien au niveau de l'objet pour l'attraper et on peut continuer le jeu. La musique est très très cool, ça c'est... Ah oui. D'un seul coup il fait jour, donc tout est redevenu normal. On va dire que c'est redevenu normal. Faudrait que je fasse un tout petit peu plus attention par contre à ma vie. Et là, vous voyez l'énigme comme quoi il faut prendre le coquillage et le lancer. Alors ça c'est un truc un peu con, je vais vous le remontrer. Si vous êtes au bord et que vous faites un mouvement de direction, bah le coquillage ou l'objet que vous prenez reste coincé. Et vous pouvez très très facilement vous rester coincé dans ce jeu. Ça m'est arrivé tout à l'heure juste avant que j'enregistre et c'était pas du tout génial. Vraiment dans un... Alors ça aussi, alors ça, autre énigme, autre méthode. Vous l'avez vu, le ballon, quand je le lance, je vais vous le remontrer, il rebondit. S'il te plaît ballon, c'est pas facile pour moi. Je pense que vous entendez ma manette. Allez, hop, je prends le ballon, je le lance, il rebondit. Et le but du jeu, c'est de lancer le ballon d'en haut, le sauter dessus pendant qu'il rebondit et de prévoir assez de distance comme ça pour aller à la plateforme. C'est un peu technique. Là pour l'instant on est que dans le premier niveau et c'est un tutoriel. Ah voilà, là c'est un poil plus compliqué mais c'est ce qui illustre le mieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la séparation entre les deux niveaux, entre le jour et la nuit. Si je prends ça, alors je peux slider évidemment pendant que j'ai un objet, que je le pose ici, hop, avec de l'énergie, c'est cool. Alors lui, alors je ne sais pas pourquoi cet ennemi agit comme ça. C'est un mystère. Le jeu est marrant. Hop, je saute, je récupère le... Merde. Ouais, les touches, il faudrait que j'aurais dû les modifier. Je récupère le premier coquillage. Hop, je le pose là-bas. Et normalement, je pense que vous l'avez deviné, les objets se superposent. Et je continue de ce côté. Donc vraiment, le but, c'est, dès que vous avez un objet, toujours le prendre. Là, par exemple, vous voyez, l'énigme de cet endroit, c'est... Il y a une plaque de pression, mais c'est la lune, et la lune bloque. Et donc, du coup, il faut que j'aille prendre l'autre côté de la porte pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un soleil. Et que du coup la plateforme s'active et que j'aille de l'autre côté. Seulement, autre problème, c'est que je saute pas assez haut. Je ne saute pas assez haut, donc du coup, quelle est la solution? Il faut prendre le coquillage, le poser, aller de l'autre côté. L'autre côté c'est bloqué. Et une fois que nous sommes ici, prendre... Aïe. Je vais pas me donner de la vie, s'il te plaît. Prendre le coquillage. Aïe. Ça commence à être compliqué là. Et à accéder à l'autre côté. Et normalement, je pense que je devrais bientôt être à la fin du... Ah, cinématique. Mon dieu, il se passe des choses. Ah, c'est un boss. C'est le boss fight. Premier boss fight. Ce qui va me permettre de comprendre un peu comment fonctionne ce jeu. Ok. Ok. J'essaie de voir comment fonctionne le game. Aïe, aïe, aïe. Oh là, c'est compliqué. Oh là, c'est compliqué. Ah là là, est-ce que je vais mourir? Je crois que oui. Ok, ça j'ai compris. Hop. Ah, mais faut que j'esquive ça en plus. Voilà. Hop, 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 aïe. Non mais calme-toi le jeu, s'il te plaît. Aïe. Ça je l'ai retenu.
Hop, hop, hop. Ok, ça je l'ai. Oh, je me le suis pris. Je l'ai ce boss. Je vous assure que je l'ai. Ah, merci au moins de me remettre juste là. Je vous assure que je l'ai ce boss. Très très cool musique de boss, hein, cependant. Oh, j'ai réussi à lui mettre le dégât. Oh, il y a moyen de mettre un dégât à ce niveau-là aussi. Je découvre des trucs, hein. Ok. Je pense qu'il y a moyen de le faire en 3 cycles, ce boss. Ouais, 3 cycles, ça me semble pas mal. Aïe. Bon, évidemment, je suis très mauvais, donc... si je vous coupe tout ça, à un moment, vous allez vous moquer. Attention, attention. Aïe. Oh, je peux l'avoir. Oh, je peux tellement l'avoir si j'ai pas fait un slide aussi, ouais. Oh là là, le génie. Le génie. Un point de vie. Il me restait un point de vie. Super. Ah, alors ça c'est intéressant. Donc là, j'ai fini ce jeu et vous voyez, j'ai accès à de nouveaux endroits. Et le problème, c'est que je ne peux pas accéder plus loin parce qu'il faut que je termine ce niveau. Je vais juste vous montrer le début de ce niveau pour entendre la musique aussi. Et je vais m'arrêter là. Ah, là déjà, j'ai un nouveau pouvoir. Alors, les pouvoirs, si je peux switcher avec, ce serait cool. Donc, vous voyez, chaque pouvoir qui se trouve ici. Non, c'est pas ici, évidemment. C'est pas ça. Évidemment, les pouvoirs, ça consomme un autre réservoir. Et ça me donne trois autres attaques. Donc, vous voyez, j'ai le sharp, etc. Et si je suis, par contre, en pouvoir, je ne peux pas attraper d'objets. Donc là, par exemple, si je fais une attaque simple, c'est juste un missile. Là, c'est un bouclier. Et là, c'est une balle qui rebondit. Alors là, évidemment, je ne peux pas aller par là. Comment je pourrais faire? À votre avis, comment qu'on fait pour aller en bas? Et ben, vous savez quoi? Je vous laisse le courage de me le dire, parce que je vais m'arrêter là. Ah, j'ai pas envie d'aller plus loin, je suis désolé. Mais ce petit jeu, je pense qu'il a du potentiel, surtout qu'il est à sa 1.0.2, comme vous l'avez vu. Je suis sûr qu'avec un petit peu plus de visibilité, il peut être très intéressant. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce petit fan game en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à me conseiller des fan games que vous trouvez intéressants. Peut-être que j'en parlerai, on verra bien. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui sortent sur cette chaîne tous les mercredis à 15h30, soit du jeu vidéo, soit des gros trucs, soit des petits machins comme ça, voilà, on s'amuse bien. À checker aussi Twitter et Instagram où je suis le plus présent, et surtout à liker, c'est important. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un nouveau fan game peut-être ou une autre vidéo.